Éducation pour tous. Des efforts vont être déployés pour atteindre les objectifs. Le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'UNESCO et le CONAMEPT, ou Consortium national malgache pour l'éducation pour tous, se mobilise dans le cadre de l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation, conformément aux objectifs pour le développement durable 2015-2030. Une journée de porte ouverte sur l'éducation pour tous a été organisée aujourd'hui sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakili. L'objectif est d'unir la force afin d'atteindre les objectifs de l'éducation pour tous pour les 5 ans à venir et les objectifs pour le développement durable. Madagascar figure parmi les pays qui n'ont pas atteint les objectifs fixés par l'OMD qui s'achèvera cette année, alors que ces objectifs semblaient être à sa portée avant l'année 2009, en particulier dans le domaine de l'éducation pour tous. Sur les 6 objectifs fixés en termes d'éducation pour tous, seuls 2 ont été atteints par Madagascar. On atteint à 75% l'objectif relatif à l'alphabétisation si l'on a largement dépassé les 100% en termes de scolarisation de la petite enfance, a souligné Anta Rabonari, secrétaire général de la Commission nationale malgache pour l'UNESCO. Des efforts vont être déployés en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation, notamment la révision du programme pédagogique.